Seigneur, notre Dieu tout-puissant, une chose que nous voulons te dire, c'est d'abord merci. Parce que nous venons de passer un moment de persévérance dans l'écoute de la parole et dans la prière. Une telle persévérance ne peut pas manquer d'être rémunérée. Et si nous sommes sûrs et certains que la rémunération est grande, parce que même au courant de la semaine, tes enfants venaient nombreux. Ils ont attaché un intérêt dans ces réunions de prière. Et comme ils ont attaché un intérêt, Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que les bénédictions, Seigneur, sont grandes. Toi aussi, tu as attaché un intérêt à nous bénir, parce que les vases ouins, Seigneur, ont prononcé des paroles et leurs paroles font force de loi. Ils ont béni et nous sommes bénis. Ils ont prononcé des paroles et Dieu a dit amen. C'est pour cela, Seigneur Dieu, tout ce qui n'était pas correct, que ce soit dans notre chair, par des maladies, cela s'est réparé. Seigneur Dieu, que ce soit la pauvreté accrue, cela se réparait. Les bénédictions sont en route. Certaines sont à 50 km. Certaines bénédictions sont déjà à 20 km. Les unes sont déjà à 5 km. Et les autres ont déjà atteint nos maisons. Seigneur, c'est sûr et certain que quand nous attachons quelque chose, intérêt à ta parole, les bénédictions sont certaines. Tu ne manqueras pas de venir aussi ces serviteurs qui sont venus, qui se sont déplacés de loin et qui sont venus nous visiter. Tu ne manqueras pas de venir leurs églises et aussi leurs familles. Seigneur de gloire, toutes les bénédictions attaché à ces sept fêtes juives dans leur conversion ici parmi les nations, c'est victoire sur victoire, c'est joie sur joie, c'est grâce sur grâce. Seigneur, nous sommes sûrs et certains qu'aujourd'hui, Père, c'était la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, la fête où Dieu et l'homme se sont confondus dans cette vision de la tente où Dieu a fait un voyage à l'intérieur de l'homme par les trois poules, allant dans le premier, deuxième et entrant dans le troisième poule, là où il est entré dans la chambre du roi. Je te rencontrerai là et ça sera ton troisième point. Seigneur, c'est dans cet endroit là qui est l'état présent de ton ministère, de mon ministère, là où l'homme et Dieu sont dans la complicité totale et là où il n'est pas possible d'avoir la troisième personne et là où la porte est fermée, Dieu et l'homme sont ensemble comme la manière dont ils étaient fermés avec les disciples sur le chemin de Maïs quand il a brisé le pain. Oh Seigneur Dieu tout puissant, c'est pour cela que nous te demandons, Seigneur,
que ces choses soient comprises. Parce qu'il y a une bénédiction là-dedans. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit salmodié. Seigneur de gloire. Que ta paix inonde nos âmes. Seigneur, alors que toi tu ne nous condamnes plus, parce que nous avons reconnu l'expiation avant la fête des tabernacles, l'expiation a été faite et nous entrons là-bas où tout devient possible dans un endroit insonorisé, là où le rideau est descendu. Père céleste, Tatana Lola, où wapi, tout devient insonorisé. Et là où nous sommes cachés en Christ, Christo, Père céleste, Tatana Lola, Zambé, là où toute chose devient possible, là où la manne n'est pourrie jamais. Seigneur, Kolo, là où la manne se renouvelle, toujours une nouvelle manne. Toujours une nouvelle manne. Père, Tata, très loin du parvis extérieur. Donc, voilà pourquoi nous sommes ici. Seigneur, pour te dire que nous sommes renouvelés. Il n'y a plus quelque chose d'ancien. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Père, Tata, et si nous te remercions, Seigneur, que notre joie soit grande, que notre joie soit grande, que la force du Saint-Esprit prenne notre être tout entier. Seigneur Dieu, quand tu es entré dans l'homme, tu es entré comme un petit bouton et tu as commencé à t'accaparer de tout notre être. Chaque cellule de notre être est devenue esprit. Molimo. C'est que Elinkoloba, la chair Nzoto, devenant esprit et, molimo, et là pewana, toutes les fibres de notre être devenir esprit et molimo. Dans cette sainte convocation où la communion devient parfaite, Seigneur, où tout devient possible, où nous parlons de tes paroles, où quand nous parlons c'est comme si c'est toi qui parles, où l'homme et Dieu sont confondus. Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen.